Voilà, nous le voilà encore aujourd'hui. Je vous dis bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va voir dans Archicad les outils profil complexe. C'est-à-dire, vous voyez dans les projets, les routes, les caniveaux, c'est-à-dire la voirie en quelque sorte. Comment je vais vous apprendre comment on fait les routes dans Archicad. Par défaut, dans certains logiciels de rendu, vous avez les routes préfabriquées qui sont là-bas, vous prenez et vous les mettez. Mais moi, je dessine même mes profils à part. Je dessine mes profils. Et vous voyez, j'ai fait les caniveaux, les bordures, les routes. Bref, je vais vous apprendre comment on crée les propres. Ses propres aménagements urbains, nous allons vous apprendre. Vous voyez, même la piscine, vous pouvez faire votre piscine sans pourtant utiliser la piscine d'Archicad, parce que les formes de piscine ne sont pas les mêmes. Les formes de piscine ne sont pas les mêmes. Vous pouvez dessiner votre propre piscine. Bon, donc, il y a de ces bibliothèques-là. Moi, je ne les utilise pas dans Archicad. Je laisse les bibliothèques d'Archicad et je vais dans les modulaires et les rendus. J'ai d'autres bibliothèques, mais les outils d'aménagement, c'est-à-dire les profils complexes dans Archicad, l'utilité des profils fondateurs. Ceci dit, je vous dis de partager, d'aimer, de me dire dans la barre de commentaires ce que vous pensez. Je veux apprendre aussi avec vous dans la barre de commentaires. Quand vous vous exprimez, je peux avoir des connaissances comme d'autres aussi peuvent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour le moment, nous allons commencer avec les profils complexes. Voici la page d'Archicad. Quand vous venez dans Archicad, j'ai arrangé mon environnement de travail. Et si vous voyez les outils, ce sont les palettes. C'est-à-dire, quand les palettes de la saison, les icônes sont regroupées dans des petites boîtes, c'est ce qu'on appelle palette. Maintenant, où se trouve l'outil profil complexe? L'outil profil complexe se trouve ici. Vous voyez la forme d'IPN que vous voyez. Vous cliquez une seule fois. Quand vous cliquez, vous attendez à ce que la page du profil complexe se présente. Dans le cas contraire, si vous par défaut, vous n'avez pas arrangé votre environnement de travail, ce que je vous demande, vous venez toujours dans fenêtre. Quand vous venez dans fenêtre, vous descendez pour aller dans palette. Vous voyez, vous descendez pour aller dans palette et vous allez trouver profil gestionnaire de profil complexe. C'est la même chose. Bon, donc, ici, comment se présente l'outil profil complexe? Voici l'outil profil complexe qui est là. C'est-à-dire, quand vous voulez dessiner, vous dites éditer. C'est-à-dire, moi, par défaut, les profils qui sont dans Archicad, par défaut, les voici. Vous les voilà en quelque sorte. Vous voyez une trentaine de listes des profils complexes que Archicad même a eu à y travailler. Mais regardez, vous allez voir que moi-même, j'ai dessiné mes profils complexes que j'utilise régulièrement. Par exemple, l'outil route, je vais vous montrer comment je le fais. Je clique sur l'outil route. Quand je dis, je viens sélectionner, je dis éditer. Éditer, cela veut dire que vous voulez modifier une partie de l'ouvrage de votre dessin. Bon, donc, quand vous dessinez votre profil, vous pouvez dire, bon, donc, le profil que je viens de dessiner, j'aurais besoin de lui dans l'outil garde-corps, j'aurais besoin de lui dans l'outil mur, dans l'outil poutre, dans l'outil poteau, dans l'outil objet. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, telle est la manière de travailler les profils. Vous voyez, quand vous prenez mes goudrons, et regardez, quand vous venez, regardez, la bordure qui est là, vous voyez, la bordure qui est là, la bande blanche qui est là, et ça c'est le goudron proprement dit, ça c'est le goudron proprement dit. Voici, et ça c'est l'espace vert là que j'ai créé, je vais mettre les arbres là-bas. Bon, donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Regardez, je mets ça de côté.
et regardez, voici comment j'ai dessiné l'outil profil. Vous avez vu les bordures de mon goudron sont là. Ça, c'est le goudron proprement dit même qui est là. Vous voyez une partie de là qui est là. Maintenant, ça, c'est la bande blanche là que j'ai dessinée qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une voie ici, une voie ici. Et entre les deux voies, j'ai mis la bande rouge, la bande blanche. Maintenant, ici, ce que vous voyez, ça, c'est la végétation qui sépare les doubles voies là. Et si vous voyez ça, c'est le milieu de mes trucs là. Maintenant, c'est la même chose aussi. La bande blanche qui est là, il y a une voie qui est là, il y a une voie qui est là. La bordure qui est là, que j'ai laissée pour que l'eau ne déborde pas, l'eau puisse. Les bordures qui sont là, c'est ça qui est là. Bon, donc, c'est la même chose, vous voyez. Et je vais vous montrer comment dessiner ça. Et si vous avez compris. Bon, donc nous allons partir d'un profil personnalisé. Quand vous venez d'un profil personnalisé, c'est-à-dire vous-même, vous allez dessiner, je dis nouveau. Et si vous avez dit, je vais dire nouveau. Il m'amène une page de dessin. Et si vous voyez, ça c'est la page d'Archicad qui est là. Mais moi, je veux aller travailler. Et je peux dire ou route par exemple ou route YouTube pour bon ou route pour débutant sur YouTube car et c'est vrai bon donc je crée ici bon donc quand je dis ça je veux dire éditer. Éditer, j'ai créé mon profil qui est là. Maintenant, je vais dire ce profil que moi je vais dessiner. J'aurai besoin de lui dans les garde-corps, j'aurai besoin de lui dans les poutres, j'aurai besoin de lui dans les poteaux, j'aurai besoin de lui dans dans les objets. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voulez dessiner l'outil, quand vous rentrez dans l'utilisation des profils comme dans le dessin des outils, des profils complexes, vous n'avez pas accès à ces outils là uniquement vous aurez accès à ces outils qu'on appelle vous voyez les outils que vous pouvez utiliser les hachures les lignes les polylignes ainsi de suite vous aurez besoin de ça bon, donc nous allons utiliser les hachures et si vous avez je vais tracer une seule voie que vous allez voir bon, donc je mets ici je me mets ici j'utilise l'outil profil qu'on profil complexe, je vais utiliser l'hachure géométrique et rectangulaire que je veux. Vous voyez, regardez, je vais faire, je prends ici, vous voyez, ça c'est mon goudron là. Maintenant, je vais créer, vous voyez, je vais créer, ça c'est bordure qui est là, une première bordure qui est là. Je viens créer encore une deuxième bordure qui est là. Et c'est vous voyez. Bon, donc, et ici au milieu, je vais essayer de créer la bande blanche là. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut diviser les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas que le goudron qui est là vienne rentrer dans votre bande. Je clique sur cette hachure là. Cette hachure là, je clique. L'un des bouts noirs, je dis moins. Ouais, je dis moins. Je vais l'enlever ici. Je ne veux pas avoir de couleur le goudron qui est là. Là. Et c'est vous voyez. Bon, donc, cette bande-là qui est là, maintenant, ici, je peux élargir. Je peux amener cette partie, la bordure du goudron qui est là. La bordure du goudron là. Je clique sur la bordure. Je clique sur. La bordure même de mon hachure, je vais l'étirer. Vous voyez, je vais l'étirer d'un seul côté. Vous voyez, je vais faire monter. Bon, donc, je peux faire monter en haut. C'est-à-dire qu'il doit être un peu en haut du goudron de quelques centimètres seulement. Vous voyez, ça, je vais transformer. Je vais lui donner. Après, je vais vous montrer comment changer la couleur des textures. Et ici aussi, pareil. Je viens, je la sélectionne. Pardon, je la sélectionne, je vais le tirer un tout petit peu. C'est la voie des piétons, si vous voulez.
Bon, donc je la fais monter un tout petit peu au même niveau que celui-là. Vous voyez? Bon, donc lui, je vais, c'est la bande jaune qui est là. Bon, maintenant je sélectionne ici mon goudron, je vais lui donner une couleur, c'est-à-dire que les voitures et les engins vont circuler ici. Et c'est vrai. Et ici aussi, ici, ça c'est l'espace, la bande qui sépare les deux voies. Et c'est vous avez sens unique. Bon, donc je peux venir ici. Quand vous sélectionnez ici, il y a ce qu'on appelle remplacer texture. C'est-à-dire, il va donner cette couleur-là. Maintenant, moi, je veux voir ça en 3D avec la couleur des matériaux. Bon, donc j'active ici. Remplacer texture. Bon, donc vous voyez, il me donne que ces carrés-là. Je veux dire non, je veux voir par exemple béton ou bien la couleur du goudron n'est pas trop noire. Il faut un peu essayer de voir aussi. Je vais dans gris. Après, je arriver dans les leçons de modélisation. Je veux un peu renforcer. Maintenant, ici aussi, je viens, je sélectionne les deux. Si vous voyez, je maintiens Shift pour sélectionner. J'ai regardé, je reprends la sélection, je clique ici. Maintenant, pour sélectionner l'autre, un autre objet, je maintiens la touche Shift. Je clique. Vous voyez. Bon, donc lui aussi, je viens changer la couleur, remplacer la couleur du texte, la couleur des surfaces par exemple, les pavés. Je peux mettre les pavés, les pierres, quoi, si vous voulez. Bon, donc je peux mettre fauve pavé ici. Ouais, mais ici, lui, je vais lui donner une couleur blanche. Et j'active ici, je vais dire une couleur blanche. Je vais lui donner la couleur blanche là. C'est blanc quoi. Voilà, je lui donne ça. Maintenant, j'ai fini. Et maintenant, je. Bon, attendez, ici là, je veux un peu élargir le passage piéton là quoi. Je clique passage piéton, je vais élargir un peu. Il faut que pour que les piétons puissent passer au-dessus, là-bas quoi. Voilà. Maintenant, quand vous finissez, vous allez dire enregistrer. Vous pouvez sélectionner. Quand vous sélectionnez, vous dites enregistrer. Je vous dis, n'oubliez pas, moi généralement, j'utilise les quatre, les cinq profils là, je les mémorise pour les cinq profils parce qu'on ne sait jamais, mais je clique sur enregistrer. Bon, donc quand c'est fini, qu'est-ce que je fais? Je ferme ici. Quand je ferme ici, je vais au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Quand je vais au rez-de-chaussée, comment je vais utiliser? Je vais voir mon profil complet. Je l'ai utilisé pour les murs, les dalles, les poteaux. Directement, je peux cliquer sur W de mon clavier qui est là pour le raccourci clavier mur. Bon, donc quand je rentre dans les propriétés, je peux choisir ici, hein, ici profil complexe, mais je vais vous montrer la méthode facile pour rentrer. Est-ce que vous avez vu? Voilà, quand vous rentrez ici, vous choisissez, ça c'est basique simple. Bon, donc je vais. Moi, je rentre ici dans profil complexe. Quand je rentre dans profil complexe, je vais choisir, vous rappelez le nom. Le nom. Pardon. Voilà, profil complexe. Le nom, on avait dit ou route. Ou route, ou route pour débutants. Ou route, ou route. Voilà, voici. Il y a coupure d'électricité. On va faire ça en pause avant l'arrivée de l'électricité. Voilà, vous voyez, vous rentrez dans profil dans profil complexe. Quand vous venez dans profil complexe, vous rentrez ici et vous choisissez ce que vous avez enregistré. Bon, donc moi, je vais l'utiliser pour le mur. Bon, donc je clique OK. Regardez ce qui va se passer. Je clique sur ici. Vous avez déjà déterminé la longueur, la largeur. Hein. Maintenant, c'est la hauteur. Vous pouvez venir choisir ici. Hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il va pas. Vous n'avez pas accès. Bon, donc vous maintenez, je maintiens Shift pour me cliquer tout droit. Vous voyez. Bon, donc vous voyez les deux.
caniveau là que vous voyez et les deux bordures. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons partir en 3D pour voir. Et voilà que nous sommes venus en 3D. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons fait. Et voilà. Votre profil route qui est là. Vous avez vu maintenant? Vous voyez votre profil route. Bon, donc je peux venir, je peux prendre ça et la dupliquer. Et si vous avez compris, comme je peux venir, je prends CTRL L pour dupliquer, je viens ici, je me mets ici directement. Et si vous voyez, et directement j'ai, vous voyez. Si je ne veux pas faire deux profils complexes et contigus, mais souvent vous voyez qu'il y a conflit, je peux déplacer CTRL T ici, je peux déplacer celle-là pour l'amener ici, là où s'arrête le deuxième profil, le premier profil. Je viens m'arrêter ici. Est-ce que vous avez vu? Bon, donc, mais ça, ce n'est pas trop joli, puisque si vous voulez faire deux voies, donc il fallait depuis dans les profils complexes, vous venez dans les profils complexes, vous venez dans, vous choisissez votre profil débutant route YouTube, débutant route, aidez-moi, route, je peux mettre R aussi, je clique sur R, hein. Voilà, route est là, je clique, je dis éditer. Bon, donc ici vous avez vu que moi je veux avoir deux voies, alors que ici j'utilise généralement le gazon, la prairie, ainsi de suite. Bon, donc dès ici je peux venir ça là, ce profil là qui est là, je peux dupliquer CTRL L et directement lui je l'amène ici. Vous voyez, quand je l'amène ici, je clique ici, je change cette couleur. Bon, je peux la dupliquer pour la mettre ici d'abord. Je la mets ici. Je la mets celle-là là, ici directement. Maintenant, celle-là, je lui donne une autre couleur qui est paysage, gazon, champ, ainsi de suite. Et je dis enregistrer. Vous voulez? Vous avez vu maintenant cette modification que je viens de faire. Quand je vais dans celle que j'ai utilisée, il va changer automatiquement. Il va faire la mise à jour tout de suite. Vous attendez. Et voilà, il a fait la mise à jour. Et je vais en 3D. La mise à jour est complète là-bas. Regardez. Il va faire la mise à jour tout de suite. Tac. Et si vous avez vu, mais rappelez-vous, vous vous rappelez ce profil là qui est là, moi je l'avais dupliqué, je peux la supprimer. Et voici, vous voyez le goudron, vous voyez. Bon, donc ceci dit, je m'arrête ici et j'espère que vous avez tiré la meilleure leçon. Et je vais faire une prochaine vidéo sur les caniveaux. Comment faire les caniveaux. Vous voyez chez moi ici, vous avez vu, j'ai créé, vous voyez console, vous voyez les caniveaux. Bon, donc après, je vais vous montrer comment on fait les caniveaux. Bon, donc je vous dis merci et à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de me dire dans la barre des commentaires ce que vous pensez de mes tutos. Et surtout, de laisser un pouce bleu pour moi. Merci, ciao, à la vidéo prochaine.